Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli Mélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reactionnelle direction la Corée du Sud avec le retour du boss group coréen Super Aikin et leur tout premier mini-album qui s'appelle Profile on the Future, un profil du futur. Il est marqué entre parenthèses et 70%. Et le titre phare présenté en MV aujourd'hui se nomme Beam Me Up. Entre parenthèses, 2D, 3D. C'est assez mystérieux tout ça. Mais avant de déplatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, mes chers Méli Mélo. Roulement de tambour, j'ai envie de vous dire, générique. Comme vous le voyez, j'ai un petit bébé dans les bras, c'est juste mon fils. Il est un peu difficile ces derniers temps. Je ne sais pas trop ce qu'il a, donc il a besoin de moi, de peau à peau. Oui, t'es d'accord? Oh, ça va mon amour. Oh. C'est rien. Voilà. On va essayer de faire dodo. Donc voilà, vous allez avoir l'habitude souvent dans mes vidéos prochainement et encore dans les mois à venir et peut-être des années à venir d'avoir l'apparition de mon fils, évidemment, sans vous montrer son visage, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Il décidera lui-même s'il veut montrer son image à travers les réseaux ou à travers YouTube. Alors je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Ce groupe a une particularité, c'est qu'ils ont des membres en mode intelligence artificielle. Dans leur début, on avait un membre qui était avec des cheveux roses, il me semble, quelque chose comme ça. Et dans leur retour cette année, il y avait un autre membre virtuel. Donc je ne sais pas si on aura d'autres membres virtuels dans celui-ci ou si on aura tout simplement l'apparition des deux membres qu'on connaît déjà actuellement et avec une autre apparence peut-être. On n'en sait rien. En tout cas, là, je vois que le 18 octobre, donc il y a l'album qui est sorti complètement sur les sites de streaming. Vous avez ce titre-là et apparemment le 30, il y aura un MV pour leur titre 2D. Donc si c'est le cas, ben, je ferai la réaction. D'habitude, j'aurais attendu faire une double réaction, mais bon, j'ai envie de vraiment voir le retour du groupe, surtout que j'ai bien aimé leur précédent comeback. Si je me souviens, pendant le montage et la mise en ligne de la vidéo, je vous mettrai ici le lien de ma précédente réaction groupe, ou si pas, vous essayez de trouver sur ma chaîne entre innombrables vidéos, n'est-ce pas? Moi j'aime bien ce genre de concept avec l'intelligence artificielle. Au début j'étais un peu dubitatif, je me dis mais je trouve que ça donne super bien, ça donne un bon rendu. On a de plus en plus de groupes comme ça, mais c'est vrai que ce groupe là il mélange humain et intelligence artificielle. Je pense qu'il n'y a que ce groupe là qui fait ça actuellement, sinon on a des groupes qui sont complètement en intelligence artificielle. Ah mon fils, attends t'as tu dute. Donc je disais qu'il y avait tout simplement deux groupes qui sont complètement en intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'au début, comme je disais, j'étais débutatif, mais je trouve quand même que finalement c'est assez intéressant. Votre météo du jour, j'espère que vous allez bien mes chers Méli Mélo en ce mercredi 18 octobre et que vous avez passé relativement une bonne journée. J'espère que vous êtes en sécurité également. Moi écoutez, je suis assez fatiguée parce que Liam a du mal vraiment à faire ses nuits actuellement, encore plus qu'avant. Cette nuit a été un petit peu mieux, mais c'était pas top non plus. Après c'est un nouveau-né, il faut le temps, ça je suis tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que c'est un bébé qui est déjà bien éveillé. On dit souvent les nouveaux-nés, oui, ils dorment beaucoup. C'est pas le cas du mien, c'est clair. Il a vraiment du mal à trouver son sommeil. Mais dans l'ensemble, on va bien, on est relativement en bonne santé. J'ai envie de vous dire, bah, c'est le principal, à part la fatigue. Voilà, on va dire que ma météo du jour est en mode comme une tornade, en mode épuisé quoi, mais quand même un petit peu ce soleil qui est là pour ma bonne humeur. Surtout qu'il y a quand même le soleil un petit peu qui est là, il fait un peu plus chaud que hier. Allez, on se met dans l'axe et j'ai envie de te dire, let's go! Oh, toutes les couleurs, oh, c'est super joli. Oh, j'adore leur look. Ok, on voit les deux personnages en intelligence artificielle. C'est pas en japonais? Dramatic 90.
Oh, vous savez à quoi ça me fait penser aussi avec Will Smith là, quand il a fait son projecteur pour effacer la mémoire. Oh, comment ça s'appelle encore ce film, je sais plus. On a un son qui fait un peu virtuel mais en même temps réel, j'ai l'impression. Vous voyez la déformation des voix? C'est canon tout ça. Quoi, c'est une arme cet instrument? Allez, comment ça s'appelle ce film là avec les aliens et Will Smith là, toujours en costume noir? Je sais plus comment ça s'appelle. J'adore leur tenue, c'est trop canon. C'est perturbant avec les deux personnages virtuels là. D'ailleurs, ils ont leur tenue des précédents clips. Hein. Hein? Alors, on a vraiment, que ce soit en termes musical mais visuel aussi, ce côté vraiment virtuel et réel qui est mélangé. Je parle en termes de musique, on a vraiment ce côté acoustique mais numérique à la fois. C'est ça que je veux dire. J'aime beaucoup la performance qui est vraiment hyper hyper qualitatif, encore une fois, ce côté virtuel qui rencontre en fait cette réalité tout simplement. Cette cohésion entre l'intelligence artificielle et ce côté humain me plaît d'autant plus, de plus en plus même. Le clip est super cool, t'as l'impression qu'ils sont en train de courir, rechercher quelque chose, tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe? Comme une course-poursuite dans un côté, comme dans un film de science-fiction, je ne sais pas, c'est assez spécial. Voilà, j'ai retrouvé, ça a beaucoup été inspiré du film Men in Black, avec Will Smith, avec leur tenue, mais également ce truc où ils effacent les souvenirs, et ce côté vers la fin où tu vois les deux personnages d'intelligence artificielle qui sont au milieu comme s'ils étaient éteints, et puis tu as les autres membres du groupe qui arrivent, et hop, c'est comme s'ils disparaissaient. Pourquoi? Pour disparaître leurs souvenirs. Je sais pas, est-ce qu'on aura une suite logique dans le MV qui vont proposer le 30 de ce mois-ci? Franchement, je ne sais pas, c'est très spécial. On a vraiment ce côté Men in Black, comme je disais, qui représente vraiment ce monde spatial. Les visuels, la musique, la performance de Superkin m'ont beaucoup plu. On a un niveau qui est plus élevé de leurs précédents clips, mais qui reste quand même concrètement ce style musical qu'on connaît d'eux. Là, on a une chanson quand même et un rythme qui est assez sympa à écouter. Franchement, un gros coup de cœur. On a un genre très pop rock également, et comme je vous l'ai dit, on a ce côté acoustique et très numérique qui est mélangé, mixé, qui donne vraiment cette ampleur à cette chanson, mais également qui crée une performance avec leur voix qui est assez unique au groupe, hein, avec ses membres humains et ses membres non humains, on va dire ça comme ça. Et le MV était assez sympa. Vous avez mon fils qui est en train de se taper une bonne sieste là, à moitié, et qui me pète littéralement dessus. Et je peux vous dire que c'est prout schlingus. En tout cas, c'est un très très bon retour. Moi, il m'a beaucoup plu. Au niveau de leur album, il est sorti sur les plateformes, constitué donc
2 à 4 titres. Et au niveau du visuel de la jaquette, vous avez vraiment ce côté spatial. Avec une cassette, avec la pellicule qui est ressortie, peut-être référence à cet effacement de souvenirs, ce retour en arrière qu'on a pu voir à la fin, je ne sais pas, un peu en mode 3D, 2D comme leur titre, mais vous voyez aussi Speed qui est marqué 2D, Beam Me Up 3D, et puis vous avez Beam Me Up 2D, 3D. Est-ce qu'ils n'ont pas fait un peu un mix comme une fois Shiny avait fait avec Sherlock? Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, j'ai hâte d'écouter quand même les autres titres de leur album pour voir ce que ça peut donner. Mais ouais, gros coup de cœur quand même pour cette chanson et leur retour. Et encore une fois, nous avons un MV qualitatif pour pas changer. Et vous, mes chers Minminos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout comment vous avez apprécié le retour du groupe et ce côté aussi intelligence artificielle et ce côté humain. Est-ce que vous avez une sorte de... comment dire... de synthèse ou une meilleure compréhension que moi du MV, de son histoire? Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.